Agora de Gilles Lapouge. Aujourd'hui, Ruth avec Jean Dufournet. Tout le monde connaît François Villon, quelques-uns connaissent Jean Meun. quelques-uns connaissent Adam de la Halle, Jacques de Voragine, euh, tout le monde connaît la poésie courtoise, la poésie troubadour, euh, mais il y a aussi d'autres poètes. Et il y en a un qui pose un cas singulier parce qu'il est très célèbre. Son nom aussi est connu de tout le monde, c'est Rutebeuf, mais on ne connaît à peu près rien de lui si ce n'est des chansons, parce qu'il a été mis en chanson. Or, euh, Rutebeuf, eh c'est un des très très grands poètes du Moyen Âge, peut-être un des très grands poètes français aussi, grand à cause de la qualité de sa poésie et de son intérêt. Et puis aussi à cause de son œuvre, il a écrit énormément en Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler de Boeuf parce que, enfin, paraissent des traductions de, des poèmes de Ruteboeuf. Traduction parce qu'évidemment, euh, il est très très difficile de le lire dans la langue qu'il employait, mais il y a des, il y a des traductions que l'on présente actuellement. Et nous avons ici à Agora avec nous Jean Dufournet. Jean Dufournet qui dirige, c'est Honoré Champion. Honoré Champion, c'est quoi C'est une maison universitaire euh, C'était une maison euh, universitaire. D une d'érudition, euh, et oui. science. Hum. de science. De euh, science Oui, et qui s'était spécialisé dans la littérature et l'histoire du Moyen-Âge. C'est cela c'est cela. Alors, euh, c'est une question que j'appelle traduction. J ça. Que vous n'êtes pas, pas cassé pour trouver le nom eh, le titre non, de la collection y, quand même. Non, il y avait les classiques du Fran <laughs> français du Moyen Âge qui comportaient des textes. Alors, oui. en parallèle, j'ai voulu donner ah, une collection de traductions de ces classiques Bien. français du Moyen Âge. Bien. Alors, il y a déjà beaucoup de traductions de, oui. de, de poèmes de du Moyen Âge, de textes du Moyen Âge, et euh, Jean du commence la publication de l'œuvre complète de Rutebeuf, qui comportera quatre euh, Volume, des petits volumes, ça doit faire 200 pages à peu près. 200 hein. pages chacun. 200 pages chacun. Euh, le premier volume dont nous allons parler aujourd'hui, il est composé des poèmes de l'infortune et des poèmes de la croisade. Alors je rappelle le titre, le nom de l'éditeur, parce que c'est un éditeur qui n'est pas aussi connu que certains euh, grands éditeurs de littérature générale, c'est Honoré Champion. Donc Jean du ce Rutebeuf euh, qui vit dans la deuxième moitié du XIIIe siècle hein, à peu près, c'est-à-dire c'est l'époque de Saint Louis. L'époque de Saint Louis, entre sa production poétique va de en gros de 1250 à 1280. Bien, littérairement, c'est l'époque aussi de Jean de le et... roman de la rose, euh, oui. l'époque de la poésie courtoise, et euh, d'Adam de la, dont on a parlé à l'heure, de Jacques de Voragine, de quelques autres. C'est hein. une époque, oui, très riche, parce qu'à la fois, c'est l'époque des bilans, l'époque où l'on fait des encyclopédies et où, où on remet en question les idéologies antérieures. Euh, Rudeboeuf, par exemple, se présente comme un poète anti courtois Jean Demain présente un naturalisme qui va à l'encontre des traditions courtoises, et à la Halle va nous, de, nous donne avec le jeu de la feuillée une sorte de psychodrame très moderne qui contient toutes les hantises de l'intellectuel dans la cité. Hum, cela. Alors, ce qui est étrange dans le cas de Ristboeuf, c'est qu'il a écrit donc énormément, il devait être très présent dans la société de son temps, euh, et on ne sait pratiquement rien sur oui. sa vie, même pas sur sa mort. Voilà, on sait qu'il est né en Champagne car il y a des traits linguistiques qui le révèlent. Il a été étudiant à Paris et il a fait carrière dans la région parisienne auprès de princes dont il a été le menestrel. Mmh. Il a pris parti dans les grands conflits du temps. Il a prêché la croisade alors que c'était le moment où l'on disait à quoi bon alors combattre les sarrasins qui ne nous demandent rien. Il a pris parti dans les querelles universitaires en s'attaquant aux ordres mendiants dont l'influence était grandissante en France et en particulier auprès de Saint-Louis. Oui. De là, des attaques contre Saint-Louis qui sont assez étonnantes. Oui, mais tous ces renseignements, on les a uniquement par ces textes. Par ces textes. Oh, sinon, euh, dans les manuscrits du temps, il n'est pas question de Rudebeuf. Euh, euh... Son nom apparaît peu et même si l'on s'interroge sur son nom, on s'aperçoit qu'il est très ambigu. Parce que Rudebeuf s'est amusé à décomposer son nom en rude et boeuf. Mais hum. rude, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire ou bien c'est un poète fruste qui refuse les affaîteries de la poésie courtoise. Mmh. Ou bien c'est un poète bourru qui dit des vérités qui dérangent. Et c'est le côté satirique. Mmh. Ou bien c'est un poète dont le symbole est le boeuf. Alors que dans la poésie courtoise, on exaltait euh, les oiseaux, on exaltait le cheval. Le boeuf est plutôt l'animal des fabliaux. Mmh. Et Rudeboeuf s'insère par ce biais, par ce surnom qui est un surnom polémique, dans une tradition pré-courtoise et anti-courtoise. Mais on peut décomposer son nom d'une autre manière, car il apparaît sous la forme ruiste et bof. Et ruiste veut dire impétueux. Or, parler d'un bof impétueux, c'est une impossibilité. <laughs> et, et par là, Le taureau, Boff, non euh, Oui, le taureau. <laughs> euh, non, non, c'est plutôt le bof, parce que le taureau, le mot existait. Et par là, euh, Rudebof se rattache au courant de la fatrasie, mmh. qui, justement, s'appuyait sur des séries d'incompossibilités. Mmh. Et par là, il veut peut-être nous révéler les contradictions de son œuvre, de ses attitudes, de sa personnalité. Oui, et de sa vie, sans et de dire, sa vie. qui a été très, voilà. très compliqué euh, Il faisait souvent ça, hein, les, les poètes du Moyen-Âge. Oui, il, enfin, il y a une espèce de cabale au fond, de, de travail cabalistique sur leur propre nom. Voilà, ils jouaient sur leur nom. Et si on fait des analyses très précises de ces noms, on s'aperçoit qu'ils sont toujours en Oui, il y en a un qui a un très, très joli nom, c'est Colin oui. Musée. C'est la même époque, je crois. C'est Colin Musée, c'est un peu antérieur à Rudbev. Ouais. Il a exploité des thèmes... Euh, semblable à ceux de, de Boeuf, mais surtout, que l'amusée a été un ménestrel heureux, oui. euh, euh, qui vivait assez bien, au contraire de Rudbov, qui était dans la classe défavorisée des ménestrels. Alors c'est un ménestrel qui n'a pas réussi son coup Qui n'a euh, pas, pas réussi, parce qu'il avait peut-être un caractère particulier, et que ses protecteurs sont morts, il a eu... Beaucoup de difficultés dans sa vie. Oui, alors écoutez, sans vouloir faire trop d'érudition quand même, parce qu'on va arriver au poème mmh. ensuite. Mmh. Et je crois que c'est toujours intéressant de donner à entendre euh, les, les poèmes. Mais il y a une question qui serait intéressante euh, de traiter rapidement, c'est justement le cas du ménestrel à cette mmh. époque-là. Du alors, moi je les confonds tous. Il y a le jongleur, il mmh. y a le ménestrel, il y a d'autres noms aussi. Et hein. vous n'avez pas tort de les confondre, parce que souvent on appliquait au même personnage les deux noms. Mmh. Alors disons en gros. Que le ménestrel est la catégorie supérieure des jongleurs. Mmh. C'est-à-dire, ordinairement, c'était des, des personnages qui s'étaient attachés à un grand dont ils charmaient les loisirs. Ils éduquaient pour le goût, pour la littérature. Et nous avons un cas qui est très, qui est très parlant. C'est celui du ménestrel jouglet qui apparaît dans un roman contemporain. De, ah que vous publiez en même temps. Voilà hein. dans une traduction qui oui. s'appelle Guillaume de Dole. Guillaume le, de Dole et le poète s'appelle Jean, Jean Renard. Renard. Et là, je vais vous, vous, faire un reproche parce que cette traduction est très belle, mais vous ne dites rien sur ce personnage. Vous c'est tout à fait dégoûtant, je trouve. Oui, vous n'avez pas tort. <laughs> mais c'est qu'on a été un peu pressé par le. Temps, il va y avoir bientôt une seconde édition où il y aura une longue étude ah oui. sur la glorification des ménestrels dans l'œuvre de Jean Renard. Très bien. Alors, le ménestrel et surtout le jongleur, puisque c'était oui. une catégorie inférieure, ils, étaient, ils avaient une image quand même assez, assez trouble. Assez... Ah oui, ça... parce que c'était des gens qui faisaient tout. Hein. Ils ne faisaient pas seulement des poèmes. Ils étaient ça. jongleurs. Ils il déclamaient des poèmes et toutes sortes de poèmes ouais. de la vie de sainte. Aux fabliaux en passant par toutes sortes de, euh, de poèmes plus ou moins sérieux, mais en même temps il faisait des tours de force, des tours de passe-passe. Il euh, animait les balles, les jeux de société. On les trouvait au carrefour des, des villes, on les trouvait aussi dans les châteaux. C'était un peu l'imprévu dans la vie des gens. Mais ça, c'est bien. Joie. Moi, je trouve qu'on reprenne cette tradition qu'on oblige par exemple Yves Bonnefoy au René ah. Char à faire des, ouais. des tours d'illusionniste, à monter ah. à la corde. Ça serait peut-être beaucoup leur demande, parce qu'il fallait une préparation particulière, préparation que la contrainte des faits leur imposait souvent, parce qu'il fallait vivre et leurs conditions étaient très difficiles. Bien, alors un dernier, un dernier petit point, encore une hum. fois, d'érudition. Euh, vous présentez la traduction des poèmes de Rutebeuf, traduction qui me paraît à moi très belle, mais je ne peux rien dire de plus, parce que je ne connais pas du tout le français dans lequel il s'exprimait. Cela dit, j'aimerais bien que je vais vous lire une... Le texte même de Ruth Beuf, et vous nous en ennez la traduction de façon que les gens comprennent que véritablement c'est presque pas une autre langue, mais enfin que ah oui. l'espace en tout cas est considérable. Euh, je choisis là au hasard un petit peu une strophe, une strophe qui est prise, un euh, qui est prise dans un poème, je ne sais pas son nom, de ce poème. À euh, celle le paradis donne. Oui, vous voyez. C'est dans le poème Des règles qui est un poème satirique contre les ordres mendiants. C'est cela. Alors ça nous revient tout à l'heure aux ordres mendiants, mais pour l'instant, purement du point de vue linguistique, oui. je lis donc la phrase, le, la strophe. À celle le paradis donne et délivre, qui les aboivre et enivre, et qui l'or engraisse les pinces d'autrui châtel, d'autrui substance. Voilà. Alors, les moines mendiants donnent et abandonnent le paradis à ceux qui les abreuve et les enivre et qui leur engraisse la pensée avec les biens d'autrui avec la substance d'autrui. C'est ça, oui. Et parfois le, la distance est encore plus grande. Ah oui, celle-là est... est relativement et, facile. Je dois dire que Rudboff est un poète difficile à traduire parce que souvent sa pensée n'est pas immédiatement perceptible mmh. et que c'est un poète qu'il faut essayer d'oranger justement toutes les inflexions de cette langue. D'autant plus que souvent, c'est une langue à plusieurs niveaux de signification. Oui. Et Rudboff utilise l'équivoque, le double sens, la polyvalence sémantique. C'est cela. Alors maintenant, nous allons entrer donc dans le premier de ces deux poèmes, puisque là, nous avons les poèmes de l'infortune d'une part, et puis les poèmes de la croisade d'autre part. On dira un mot sur la croisade oui. tout à l'heure. Mais euh, moi, ceux qui m'ont retenu le plus, le plus passionnément, c'est les poèmes de l'infortune, pour des tas de raisons qu'on va dire. Mais je suis frappé, moi, de voir. Euh, soit au niveau des thèmes, soit parfois presque au niveau du langage ou de la rhétorique, une annonciation d'un certain courant de la littérature française oui. qu'on voit réapparaître dans Villon, mais qu'on voit même réapparaître beaucoup plus tard, enfin, dans. Dans Rimbaud et surtout dans Baudelaire. Baudelaire, Apollinaire. Apollinaire juste. aussi. Alors, euh, bon, je vais lire quelques-uns de ses poèmes et puis je vais vous demander quand même de nous en parler au fur et à ça. mesure. Et il y en a un qui est très court, contrairement aux autres en général, ce sont des poèmes un petit oui. peu longs, hein, qui est très court, qui s'appelle « Le dit des gueux de grève ». Alors, il faut, il faut dire, euh, et pour la plupart de ses poèmes, que ce Ruteboeuf était un personnage extraordinairement triste, amère, désespérée, pessimiste, enfin il y a une vision de fin du monde constamment derrière tout ça, et aussi euh, une tristesse personnelle très très grande. Alors le dit des gueux de, le dit des gueux de Grève, peut-être vous nous dites d'abord ce que c'était que la place de Grève rapidement. La place de Grève, c'était une place au bord de la Seine où les, gens, de ville, hein, euh, ou ça, où les gens se, euh, euh, se réunissaient dans l'attente de trouver du travail. Oui. C'est là que se retrouvaient tous les misérables qu'on utilisait comme portefeuilles comme débardeurs, parce qu'à proximité se trouvaient les ports de la Seine, le port fluvial, le port au grain, etc. Et c'est de là que vient l'expression « faire grève », qui est à l'origine, c'est ne pas avoir de travail, attendre du travail. Alors c'est le contraire, en somme. Oui, maintenant, c'est <laughs> cesser le travail, <laughs> ah, oui. alors que l'on en a. Oui. Et bizarrement, cette place qui était consacrée au travail ou à l'absence de travail, elle était aussi consacrée au divertissement et puis, et exécution. puis aux exécutions Exactement. en public. Hein. Alors je le lis, donc ce poème, le dit des gueux de grève. Gueux, vous voilà bien lotis. Les arbres dépouillent leurs branches et vous n'avez pas de manteau. Aussi aurez-vous froid aux reins. Que vous seriez bien dans un pourpoint ou un surcot à manches fourrées. Vous êtes si allègre en été et en hiver si engourdi. Vos souliers n'ont pas besoin de graisse, car vos talons vous tiennent, vous tiennent lieu de semelles Les mouches noires vous ont piqué, les blanches, elles aussi, vous piqueront. Oui. Alors cette histoire des mouches, elle revient à plusieurs reprises. de hein, Rudolph, voilà. qu'est-ce que c'est exactement eh bien, cette affaire les de mouches, mouches noires Ce sont les mouches que nous connaissons qui pullulaient en été, dans les périodes de forte chaleur. Et les mouches blanches, ce sont les flocons de neige. Et alors, ce poème est intéressant parce qu'il nous montre justement une sorte d'objectivation de la misère du poète. Il fait parler des personnages à la troisième personne dans un univers complètement clos, celui de la misère dont il est impossible de s'échapper. Et là, vous retrouvez en particulier des images récurrentes dans l'œuvre de Rudboff qui sont des images élémentaires. Et Rudboff se prête bien à une analyse à la façon de Bachelard celle des arbres dépouillés de leurs feuilles. Oui. Et c'est l'image des pauvres que l'on dépouille sans arrêt, et à qui, tombe, on, à qui on note même les moyens de subsistance en leur enlevant la possibilité de mendier, puisqu'il maintenant, il y a les moines mendiants qui vivent de mendicité. Oui, mais alors il est très étrange du point de vue presque, disons, sociopolitique, parce que d'une part, c'est... Plutôt un conservateur, c'est un homme oui. du passé, hein, Rudebeuf. Euh, tout, tout ce, enfin justement l'attaque contre les moines-mendiants. Enfin oui. les moines-mendiants, c'est la modernité d'une certaine manière au XIIIe oui. siècle. Exactement. Et, et d'autre part, quand même, c'est aussi un homme qui, euh, qui propose des revendications sociales. Euh, euh... Oui et non, c'est, c'est-à-dire c'est un homme qui a idéalisé le passé et il pensait que dans le passé chacun avait sa place et en particulier le poète était. Choyé par les grands qui, justement, avaient compris la valeur sociale du poète. Or, on arrive à une période, celle de Saint-Louis, qui est une période d'austérité, car Saint-Louis prône la pénitence pour se préparer à la croisade. Oui. Et en même temps, il y a des concurrents qui sont les moines mendiants, en sorte que les poètes connaissent, les jongleurs connaissent des moments difficiles pour survivre. Donc, il y a quand même une revendication sociale pour ça. les poètes. Mais c'est surtout que... une. Il est vrai qu'il y a une société des gens de lettres d'une certaine manière. C'est surtout enfants. une découverte justement de la misère jusque dans ses bas fonds et d'une misère constante car ce qui est important dans l'œuvre de Rudbov, c'est que l'appauvrissement est continu. Oui. Mais ce qu'il y a de plus remarquable c'est peut-être qu'au fond de cet appauvrissement il découvre la poésie. Il faut mourir à ce monde, mourir aux facilités de ce monde pour naître à la vraie poésie. Oui, et Là, alors vraiment, c'est un thème extraordinairement moderne. C'est ça. Enfin, et plusieurs poèmes oh. vont dans ce sens-là. Par exemple, il y en a un qui est très beau, euh, qu'on n'a pas le temps de lire parce qu'il est long. C'est la complainte de Boeuf, qui est organisée dans son cœur autour du verbe jésir. Or, jésir oh. veut dire être couché, oh. faire l'amour, ah, oui. être malade, mourir. Oh. Vous voyez Et le lit est le lieu à la fois de la naissance et de la mort, ouais. de la mort aux facilités du monde et de la naissance à la grande poésie, ouais. avec les risques que cela comporte. Ouais. Alors, parfois, il y a aussi euh, des poèmes qui sont toujours aussi pessimistes, mais où il y a une amorce de, de drôlerie presque. Ouais. Euh, par l'accumulation, justement, des malheurs, il y a le poème qui s'appelle Le mariage de Ruteboeuf. Je ne sais pas si c'est son vrai mariage ou pas, je vous le demanderai après peut-être. Et, et il y a le passage bon, où il explique que son mariage c'est vraiment une catastrophe. On dit qu'un fou qui ne commet pas de folie perd son teint. Me suis je marié sans raison? En tout cas, je n'ai plus ni masure ni maison, mais voilà encore mieux. Pour combler de joie les gens qui me haïssent à mort, j'ai épousé une femme que je suis seul capable d'aimer et d'apprécier, et qui était pauvre et misérable quand je l'ai épousée. Quel beau mariage, car je suis maintenant aussi pauvre et misérable qu'elle. Elle, Elle n'est même pas avenante ni belle. Elle a 50 ans sur les épaules. Elle est maigre et sèche. Je n'ai pas peur qu'elle me trompe. C'est complètement décourageant cette oui, affaire-là. Mais en même temps, c'est plein d'humour car Rudboff reprend un lieu commun de la poésie de son temps, c'est-à-dire le mariage malheureux de l'intellectuel qui a à faire face à toutes sortes de difficultés nées du mariage. Puis, en même temps, c'est un moyen de se protéger en marquant certaines distances vis-à-vis -vis de sa condition par l'humour, l'exagération, l'hyperbole, la drôlerie, le jeu de mots. Et vous avez raison de dire qu'il y, qu y a tout cet aspect dans l'œuvre de Ruydboeuf. Oui, c'est sûr. C'est très, très, très clair. Alors, il y a beaucoup de poèmes de cet ordre-là. Il y en a toute une série aussi autour de, des thèmes des saisons. Oui. Que vous avez intitulé Le Guignon, Le oui. Guignon d'hiver, Le Guignon oui. d'été. Guignon est un mot qui n'est pas de Rubeuf Non, hein c'est grillège » dans le, la langue de Rubeuf Guignon, j'ai emprunté le mot à Baudelaire, car je pense c'était celui qui rendait le mieux. Car grillège » désigne à la fois le malheur, le malheur venu du jeu de dés et du jeu en particulier. Alors, le jeu, oui, ça, c'est dans le Guignon d'hiver, il en parle oui. beaucoup oui. du jeu. Hein. Le dé, vraiment, c'est un cauchemar oui. pour lui. Je, je lis encore un petit passage. Euh, euh, voilà. J'ai risqué des coups insensés, je me le rappelle maintenant. Je le vois bien, tout va, tout vient. Il faut que tout vienne, que tout s'en aille, sauf les bienfaits. C'est joli, hein, euh, le, le, les jeux de, ah, de mots, oui, les passages. Euh, je le vois bien, tout va, tout vient. Il faut que tout vienne, que tout s'en aille, sauf les bienfaits. Les dés que les fabricants ont faits m'ont dépouillé de mes vêtements. Les dés me perdent, les dés me guettent et m'épient. Les dés m'assaillent et me défient, j'en suis accablé, je n'y puis rien si je m'inquiète. Je ne vois venir avril ni mai, voici la glace. Voilà. » Alors cette histoire de dés, c'est très intéressant, c'est-à-dire euh, oui. le jeu, ça avait l'air d'être une folie à cette époque-là. Oui, c'était époque une folie à l'époque de Saint-Louis, et Saint-Louis a pris des mesures contre le jeu, parce que les frères même de Saint-Louis pratiquaient le jeu, et c'était aussi la passion des pauvres gens. Le jeu qui était à la fois la cause et la conséquence de leur misère. Et alors dans ce poème, ce qui est très beau, c'est que les dés prennent l'aspect soit d'un monstre qui poursuit le poète soit même de tous ces insectes qui grouillent dans un cauchemar dans une crise de délirium tremens et je crois qu'il y a derrière toute une expérience alors j'en lis un dernier qui est la pauvreté de rutbeuf un passage plutôt parce que c'est un poème long euh, grand roi s'il m'arrive de vous perdre j'aurais perdu tout appui en ce monde il me faut de quoi vivre et je n'ai plus rien Personne ne me tend la main, personne ne me donne rien. Toussant de froid, baillant de faim, je suis à bout de ressources dans la détresse. Je n'ai ni couverture ni lit. Il n'est personne de si pauvre, chercha-t-on, jusqu'à cent lits. Sire, je ne sais où aller, mes côtes ont l'habitude de la paille, mais un lit de paille n'a rien d'un lit, et dans mon lit, il n'y a que de la paille. Oui. C'est tout à fait admirable. Alors, hein c'est un très très beau poème, c'est sans doute un des derniers druides de boeuf, c'est en quelque sorte le microcosme de toute sa poésie. est ce qu'il y a de remarquable dans ce poème-là, dans cette strophe que vous venez de lire et que vous avez très bien choisie, c'est que on constate que, alors que dans la strophe 2, il n'y a plus de pronom-je, de pronom-sujet, dans cette strophe, ils abondent. Qu'est-ce que cela veut dire Qu'il faut aller au fond de la misère, découvrir justement la misère dans ce qu'elle a de plus affreux, puisque le poète n'a même plus de lit, pour découvrir la poésie. Et la poésie est représentée par l'image de la paille. Mmh. La paille, avec son éclat et ses éclairs, mais ce n'est qu'un feu dans la vie du poète. Après quoi la déchéance reprend, et la dernière strophe est remarquable, parce qu'on s'aperçoit que le poète perd même le langage, puisqu'il dit, je ne sais plus ce que veut dire notre je ne sais plus ce que signifie le credo, il perd même la foi, ou du moins il le suggère. C'est curieux cette histoire de paille, parce que euh, alors là, on touche à Verlaine, il y a le, le oui, poème, oui. l'espoir, lui, comme un brin de paille Exactement dans les tables, au fond, c'est ah, une curieuse reprise oui. du même thème. Et dans les tables, avec la crèche, de parce que la paille, c'est aussi celle de la crèche, la crèche. Bien de Bethléem. À dire un mot seulement, un mot de la deuxième partie de ce recueil. Ce sont les mmh. poèmes de la croisade qui sont d'un tout autre caractère. Euh, alors là, on voit encore le côté euh, traditionnel, conservateur, euh, entre guillemets, parce que ça ne oui. veut pas dire grand chose à cette époque-là. Enfin, ce n'est pas les mêmes notions, mais tout de même euh, traditionnel de Rutebeuf en ce qui concerne euh, sa position oui. politique vis-à-vis -vis des croisades. Voilà, parce que la croisade représentait pour lui le moyen à la chevalerie de s'accomplir vraiment. Et on retrouvait. Dans le monde des croisades, les valeurs qui avaient été celles de la chanson de Roland. Et Rudeboff s'est donné euh, pleinement à la cause de la croisade, non pas parce qu'il était payé par des groupes de pression, mais parce que je crois que les croisés représentaient son idéal le plus vrai. Oui, mais alors il y a quand même quelque chose de très bizarre, un petit peu incohérent, parce que par ailleurs, Rutbeuf, on l'a dit, et on peut le redire, puisqu'il y, y a un poème qui s'appelle Renard le Bétourné, on n'en a pas parlé, mais enfin qui est... Euh, ça veut dire être... Oui, très Renard, c'est oh, la métamorphose de, de Renard. Oui, qui est une attaque contre... Euh, Saint-Louis. Les moines mendiants et Saint-Louis qui protège les moines mendiants. C'est exact. Bien. Mais, euh, or Saint-Louis, c'est quand même l'homme des croisades aussi. Oui, mais Rutbeuf est plein de contradictions, parce qu'il est un ménestrel qui a besoin de la largesse des grands pour vivre. Hors Saint-Louis a l'austérité. D'autre part, Saint-Louis est le protecteur des moines mendiants, qui sont les adversaires de l'université, où il tendait à prendre une place importante, car il faut penser que les moines mendiants représentaient à cette époque une forme nouvelle de sentir et de penser. Ils séduisaient les femmes et les jeunes gens. Ah C'était oui. une force nouvelle et l'université s'était forcée de la combattre. À propos des femmes, euh, il, bon, nous avons parlé du mariage, mais, mais, il, mais il, il euh, la hors de cela, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a que sa femme qui n'enchante euh, qu pas. Il faut bien le dire. Il <laughs> est et des saintes, mais la dame courtoise a disparu de son œuvre. Même dans les autres. Euh, dans les recueils. autres là, il n'y a aucune femme courtoise. Parce qu'il y a des recueils parmi ceux que vous allez publier qui sont pas des, fat des fatrasies, plus ou moins euh, euh, Non, euh, pas directement chez lui, euh, mais il y aura des, des passages écrits justement tout en jeu de mots. Mais aucun d'entre eux ne parle On de ne femme. parle des femmes. Bien, euh, Jean Dufournet, je vous remercie. Alors, je rappelle que nous avons parlé donc de, de Rutebeuf bien entendu. Euh, poème de l'infortune, d'une part, poème de la croisade, d'autre part, le tout étant publié chez Honoré Champion dans la collection Traduction.